dis troisième âge, ça m'a toujours fait rigoler, troisième âge, parce que j'y vais allègrement, et je me sens pas du tout troisième âge, ni quatrième, ni deuxième, ni... Je vis, on vit. Et je crois que pour tous les gens qui se sentent concernés, la chose est la même. Si ce n'est que on a peut-être plus de temps libre, et que ce temps libre, il faut absolument l'utiliser pour faire tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire avant. On est enfant ? Oui ! On n'a pas trop mal aux mains ? Non ? Pardon ? Je vous entends pas. Parlez pas tous en même temps. Ça va, c'est très bien. Voilà. Vous avez une autre chocolat glacé ? Bon. Ça manque. On va essayer pour la prochaine fois. Bien. Alors, je pense qu'on peut fermer les portes. Ce serait gentil, n'est-ce pas ? Vous allez passer maintenant un moment très très agréable avec un monsieur, je vous l'ai dit tout à l'heure, très gentil. Le talent, n'en parlons pas, n'est-ce pas, parce que c'est un immense talent. Et je suis très heureux d'avoir quand même réussi à le faire venir ici à Charleroi, car vous savez qu'il travaille beaucoup, beaucoup, et puis il navigue aussi beaucoup, beaucoup. Alors, mais nous avons formé là une équipe, et je salue au passage les personnes qui l'entourent, c'est-à-dire Bernard et Patrick, qui forment une équipe autour de François, vraiment très très gentille. Et nous avons de bons contacts comme ça, et je pense que ce ne sera pas d'ailleurs la dernière fois que nous aurons le plaisir de travailler ensemble. Alors maintenant, je ne vais pas faire de long bavardage, je vous connais, j'espère que vous allez bien chanter, vous allez, comme il se doit, accueillir Monsieur François de Guelgues. Chant du cygne ou baroud d'honneur, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, me voilà là. Le micro, je connais ça par cœur, mais j'ai toujours l'impression que c'est la première fois. Je reviens d'un joli voyage, j'ai flirté avec le vent, tutoyé les nuages. Puis un soir, un poivron dans un port m'a dit, tiens, en voilà toi. On croyait que t'étais mort. Alors là, brusquement, la colère m'a pris. Je croyais avoir tout eu et avoir tout appris. Ce soir-là, tristement, en remontant à bord, j'ai joué sur ma guitare la chanson des remords, le proverbe qui a pu boire. Valable pour les autres, mais jamais pour soi. La chanson durera longtemps, car celui qui n'est si gal doit mourir en chantant. Les comeback, les astines, c'est pour les comptables du showbiz qui n'aiment pas l'amour. Leur anglais, je ne le comprends pas, mais je ne le parle pas si mal lorsque je vais là-bas. Ouais, Taylor is rich. Il me fournit en chemise, en blazer, en cachemire. Il me prête sa Rolls Corniche. Il voudrait me la laisser, mais je n'ai pas la conduire. Moi, je préfère flâner et balader ma vie. Je tomberai toujours de la dernière pluie. Si c'est vrai que je n'ai chanté qu'un seul été, au moins j'ai bien vécu. Et rien à regretter. Laissons aux besogneux leurs critiques amères et gardons bien au chaud le soleil et la mer. Chant du cygne ou baroud d'honneur, je reviens faire un petit tour chez les 45 tours, sac à terre, micro, baladeur. Pourquoi
pourquoi pas passer l'hiver avec les troubadours. J'en ai si du goût d'honneur, entre ma guitare et moi, c'est une affaire de cœur. J'en ai si du goût tout court, entre ma guitare et moi, c'est une histoire d'amour. Parce que je regardais le programme, vous savez, le programme distribué à plein de théâtres. Et puis il y a une photo de moi sur ce programme. Et je me suis souvenu du jour où cette photo a été faite. J'habitais un jeune quartier dans Paris, dans l'île Saint-Louis. J'avais un balcon qui donnait sur la Seine, c'était très joli. Et puis je me suis mis à repenser à cette époque. Je me suis dit, cette photo, j'avais quel âge là? Et j'avais 23 ans. J'ai quand même, ils sont gonflés d'être sur un programme. Une photo où j'avais 23 ans, parce que maintenant j'en ai 27 ou 28. Le temps passe. Le temps passe. Je me suis dit quand même, il faut faire attention au régime. Là. Il ne faut pas aller manger matin, midi et soir chez Marie-Louise. Ou alors on prend carrément 10 kilos dans le mois. Mais alors, quel kilo? Quel kilo? Formidable. Ça, les boulettes avec la sauce. T'es là, Marie-Louise? Ah, si vous la voyez, vous lui direz que je l'aime. Bien sûr, j'ai aussi un petit fait pour les boulettes, quand même, hein, évidemment. Vous allez courir les routes, se promener, aller du sud au nord, du nord au sud. C'est formidable, surtout quand on a une petite compagne comme ça. Vous avez vu comment c'est fait une guitare? Hein? Et ouais, on n'est jamais vraiment tout seul avec une guitare. Mais quand même, pour la musique, pour le plaisir de la musique, pour le plaisir de l'harmonie, pour le plaisir de l'accompagnement, de la mélodie. Il y a des instruments de musique qui sont formidables maintenant. On a inventé le piano, qui est déjà formidable, plus d'autres instruments. Et puis ce qu'il y a surtout, c'est qu'il est rare de rencontrer des gens qui en jouent vraiment très bien, qui vous apportent quelque chose de plus, qui vous font cadeau de leur accompagnement. Et c'est le cas de Bernard Morose, qui est avec moi ce soir, qui va venir s'installer là, au clavier. Voilà, il ne s'est pas perdu. Bernard Morose. Et tout de suite, on a accordé la guitare et le piano pour une petite confidence comme ça. C'est un monsieur qui regarde un petit peu derrière lui, qui fait une espèce de mise au point, et qui se dit, j'ai vécu tout ça bien sûr, mais pourtant... Un petit roseau m'aurait suffi à faire chanter toute la forêt. J'avais 18 ans, toute la vie devant moi souriait. Et la vie, je l'aimais bien, je l'aimais trop. C'est pas assez, c'est plus encore. Absolument rien que le plaisir de tes grands yeux. On s'aime à mourir et puis adieu. On s'en va plus loin. Notre amour, nous reviendrons demain. Ou bien après-demain, le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas très bien. Tout va bien. Un petit roseau m'aurait suffi à enchanter ma vie, à faire chanter tous mes amis aussi quand je repense à mon petit roseau que j'ai oublié au bord de l'eau. Ce simple bonheur m'aurait suffi. Et puis j'ai rencontré
Il a rendez-vous pour la première fois de sa vie avec une jeune fille. Elle, c'est une vieille. Elle a déjà vu le loup. Elle a 22 ou 23 ans. Et lui, il voudrait trouver, vous savez, ce genre de petites phrases, comme ça, quand il vient sorti du lycée, des petites phrases un peu comme ça, quand le jour tombe. Il ne sait pas parler. C'est pareil, il a le trac, il n'ose pas. Ah, si, je vais lui dire un poème, un beau poème d'Alfred de Musset. Elle pensera sans doute que j'ai écrit ça pour elle. Alors je l'ai rêvé, comme ça, voir elle, assise sur un banc, comme ça, à l'ombre d'un tilleul. Et lui disant, si je vous le disais, pourtant, que je vous aime. Qui sait, brune aux yeux bleus, ce que vous en diriez. L'amour, vous le savez, cause une peine extrême. C'est un mal sans pitié que vous plaignez vous-même. Peut-être cependant que vous m'en puniriez, mais vous n'en saurez rien. Je viens sans rien en dire, m'asseoir sous votre lampe et causer avec vous. Votre voix, je l'entends, votre air, je le respire. Et vous pouvez douter, deviner et sourire. Vos yeux ne verront pas de quoi m'être moins doux. Je récolte en secret des fleurs mystérieuses le soir derrière vous. Piano, chanter sur le clavier vos mains harmonieuses et dans les tourbillons de nos valses joyeuses, je vous sens dans mes bras plier comme un roseau. Non, je n'étais pas né pour ce bonheur suprême de mourir dans vos bras et de vivre à vos pieds, tout me le prouve. Hélas, jusqu'à la douleur, mais si je vous le disais, pourtant, que je vous aime. Qui sait, brune aux yeux bleus, ce que vous en diriez. Et elle, qui n'a pas compris grand-chose, lui fait, et vous avez écrit tout ça pour me sauter? Non, oh non, 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 petit génial. Ah, le pauvre. Ah, c'est pas sympa, je suis, c'est pas sympa. Alors, c'est dit peut-être, alors. Peut-être un poème beaucoup plus connu, avec un peu de musique autour, peut-être. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Toi, tu t'en fous, toi. Toi, tu te joues bien de ma peine, mais tu ne connais pas Verlaine. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Mais toi tu ris, triste souris, toi, tu blasphèmes, que tu ne connais pas t'emmène, mais tu
un monsieur très bien, très sérieux. Un monsieur qui travaille dans une grande entreprise, il est chef de son service. Chaque soir, à 6h30, il quitte son bureau. Et là, avant de partir, il dit au revoir à tout le monde. Et puis il dit surtout bonsoir à sa secrétaire. Il dit bonsoir à Mme Roxane. À demain, ma chérie. Et après, il rentre chez lui. Ben, il va retrouver sa femme. Sa femme, c'est pas tout à fait le même genre que sa secrétaire, mais c'est une maligne. Elle cache son jeu. Alors, lui, il a envie de lui décontracter. Chérie, ma petite chérie, Nounou, allez, ma Nounou. C'est Jean-Pierre. C'est ton petit Jean-Pierre. Elle est pas là, ma Nounou. Tiens. Oh, elle a dû. Elle a dû. Elle a dû. Enfin, restons calmes. Restons calmes. Puis, de toute façon, je ne m'énerve jamais. Mais pourtant. Ne rentre pas l'idée sans même s'expliquer. C'est son truc favori d'arriver à minuit en me disant, chérie, que je suis étourdi. Elle a dû oublier. Vraiment, ça s'est ouvert. On va encore garder la tête. C'est pas la première fois que je mange des petits pois. Devant la télévision, je trouve le temps long, je tourne. Dans tous les coins, je me retrouve mes bouquins, mais je ne roule pas mal, c'est la fin. Elle a dû oublier. Ah non, ça c'est trop bien, mon frère. Faut que t'aimes la tête. Cette voiture noire, depuis une heure en bas, qui a l'air sous le détail, qui ne s'en va pas. Voilà qu'elle en descend, tiens donc. Elle fait du stop maintenant. Elle embrasse le gars, et ça n'en finit pas. Elle a dû m'oublier. Vraiment, c'est ça le problème, enfin. Enfin, où donc avais-je la tête? Imaginez un matin de mai 1944, un petit garçon se promène dans les rues d'une petite ville, dans le sud-ouest de la France. Et il fait très beau ce matin-là, très très beau. C'est le matin de la libération. Un soldat allemand de l'armée en déroute. Mort au bord de la route, il n'avait pas 20 ans, puis c'est le son des cloches, à travers par mes yeux, j'ai les mains dans les poches, et n'en vois pas mes yeux. Pour saluer le jour de la fin de la guerre, elle ressemble à l'amour, elle rit dans la lumière, avec ses petites couettes en chemise de nuit, la petite Josette est tombée de son lit. Les vieux de celle d'avant, la moustache en avant, regardent un Allemand passer sur un vélo, les maquisards autour de la commande en tour, de chaque carrefour amène un collabo. Chichinette éperdue, a peur d'être tendue, elle va sauter peut-être du haut de sa fenêtre. Repartons à zéro, David, le commerçant bon. Jouer les héros, le brassard en avant, le fils de la mercière, habillé en soldat, est arrivé hier. On ne l'attendait pas, tous les petits gamins vont lui serrer la main, car il paraît qu'il donne des morceaux de chouine. C'est pas comme cette salope de vieille Dupont-Durand qui vendait l'escalope, 10 fois le prix coûtant.
Il paraît que le sien, on ne reverra plus. Il était milicien hier, ils l'ont pendu. Les femmes de prisonniers pleurent de joie, font la gueule. La guerre est terminée, beaucoup ne sont plus seuls. Les trains vont revenir, tout chargés de maris, chargés de souvenirs et de bonheur détruit. C'est l'amour, c'est la haine, et je ne comprends pas quelque chose que j'aime dans ce méli-mélo. Peut-être ce soldat de l'armée en déroute, trouvé mort sur la route, à côté du vélo. Un grand couillon comme toi,
que j'ai envoyé dans les écoles jusqu'à 20 ans pour passer le certificat d'études, voilà maintenant que tu me reviens, que tu me dis que tu es trop intelligent, mais tu te fous de moi. Alors je suis allé voir la médecin, là, à Montauroux, un petit village à côté, et rien trouvé. Alors je suis allé voir un grand spécialiste psychiatre à Toulon, et rien trouvé non plus. Et ça fait 15 ans qu'il cherche, qu'il cherche. Qui cherche. Et ils n'ont rien trouvé. Heureusement pour moi, d'ailleurs. Moi, je touche ma petite pension, vous voyez, parce que quand ça m'est arrivé, ce grand malheur, j'étais employé à la mairie. Et comme le médecin, il avait dit, mais peut-être, après tout, que ces maux de tête-là, ça pourrait peut-être provenir d'un effort intellectuel un peu trop violent. Il a cru que j'étais employé aux écritures, vous voyez. Et en réalité, moi, je balayais les feuilles pour la municipalité et je me gardais les champignons pour moi, ce qui est de bonne guerre. Évidemment, je ne vous dis pas que je vis dans les ans suprêmes, mais en fait, je me débrouille, vous voyez, je déjeune chez l'un, je dîne chez l'autre, à la saison, je fais les violettes, et puis je fais les boules aussi. Ah, j'ai toutes les boules qu'il faut, ouais. J'ai la boule de pointe, j'ai la boule de tir, j'ai la boule noire, j'ai la boule recuite, et pour les cas très délicat, j'ai la boule farcie. Attention, bon, la boule farcie, c'est une boule comme les autres, il faut quand même la voyer dans la bonne direction, comme ça. Mais dès qu'elle touche le sol, elle devient langoureuse, amoureuse. Elle s'approche indéfiniment des petits. Et quand elle arrive, elle le tête. Et le poing et les poings, évidemment, c'est pas une méthode radicale pour réaliser une immense fortune, mais enfin, comme disait un philosophe de mes amis, Titain, pour manger deux fois par jour et dormir dans son lit, c'est pas la peine de fonder une société anonyme avec Bernard Tapie, hein, c'est pas la peine, c'est un peu, hein, mais tout c'est pas fort, Ces gens que tu viens là comme ça, touriste, ils me font rigoler, mais bon, on est l'autre jour là devant ma porte, là, je ne demandais rien à personne. Il y en a un, il est passé, c'était le Parisien. Alors les Parisiens, j'aime bien les gens du Nord, mais les Parisiens, ceux là, ils ne sentent pas bien, ils ne sentent pas bien, parce que je trouve qu'ils se prennent, pour des Parisiens. Vous voyez ce que je veux dire? Il arrive, il me regarde comme ça, comme si j'étais, je faisais partie du décor. Il me fait, dites-moi, mon brave, est-ce que vous faites du bien des Alpes? Des Alpes, pas précisément, non, mais enfin, j'ai mon voisin, là, Jean Roucas, il s'appelle, il est en fond, si vous voulez. Ouais, mais méfiez-vous, hein, parce que il n'a qu'une abeille. Je vous raconte tout ça, hein. Il faut pas me prendre en sérieux, monsieur. De toute façon, il ne se passe jamais rien dans ce petit pays. Les retraités s'y trouvent bien et les voitures n'y passent plus. On vit sa vie sous les platanes et tous les jeunes gens s'ennuient parce que le jukebox est en panne et que le bruit c'est interdit. Mais il ne se passe pas grand chose. La femme de Titain s'ennuie. Elle est encore fraîche et rose, elle n'est pas son âge, à ce qu'on dit. Et l'on s'embarque pour Cythère, dans un petit pointu joli, qui s'éloigne un peu de ta terre. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas pris, mais il ne se passe pas grand chose. La femme de Titain s'ennuie, elle est encore fraîche et rose. Allez, monsieur, je passais comme ça l'autre matin et je vous ai vu. Vous étiez dans votre jardin, vous étiez en train de tailler les roses. Et il était 5 heures du matin et vous étiez avec un pyjama à rayures. Moi, ça m'a rappelé des souvenirs. Ça m'a rappelé quand j'étais avec Jean-Louis et avec Loulou, quand on était au bagne de Toulon. Vous voyez ce que je veux dire? Et la petite jeune fille là, qui était derrière vous,
Elle n'était pas précisément venue pour vous porter des oracles, je crois. Hein. Enfin, vous savez, je vois tout, mais je ne dis jamais rien. Puis là, voyez, monsieur, ça restera pour nous. Je viens d'avoir un superbe trou de mémoire. Hein. Et je me dis que dans le midi, on est un peu bavard, et par moments, ça sort des situations. À bientôt, monsieur. Vous savez, ça arrive comme ça, qu'ils font plein de lieux d'une chanson, on se dit, mais de quoi s'agit-il, en fait? Et puis, on se perd dans les néons, comme ça. Mais, c'est pas grave, c'est ça, la vie. Enfin, je veux dire, une chanson vivante. Hier, j'étais avec un animateur de radio tout à fait gentil, et je crois qu'il y a mis une pointe d'humour. Nous étions en direct, on était à Mons, on nous entendait dans toute la Wallonie, et il me dit, alors, François de Gaulle, vous avez votre guitare, vous pourriez peut-être vous chanter une chanson en live. Je dis, mais certainement, madame Poivre, certainement, je vais vous chanter une chanson en live. Et on va la dédier à Jacques Toubon. Hein? Là, c'est une carte postale sonore. Je ne sais pas si c'est une chanson. Je ne sais pas, mais ça fait comme ça. Voilà. C'est le taureau meurtri qui revient dans l'arène, faire des jalousies. C'est le destin qui mène ta bouche rouge sang, rose ses banderilles, l'amour incandescent dans la pénombre brille. J'en ai le cœur qui tremble et je vois tournoyer les murs blancs de la chambre où je vais me noyer. Cinco de la tarde, tu vois, je suis à l'heure, je ne veux pas m'attarder. Je n'aime pas les pleurs, mais je voulais revoir cette chambre andalouse où tu es revenu. Sans jupe, cette blouse te fait plus nu que nu. Cinco de la tarde, taureau, il se fait tard, écoute les clameurs, dont le soleil barbare, ils veulent que tu meurs, taureau, et que ton sang tout rouge sur le sable brûlant, taureau, inexorablement, coule rouge, taureau, coule rouge. Au loin, j'entends l'avion de la dernière chance qui vient de s'envoler, déchirant le silence, et moi je reste là dimanche à 5h, entre quatre murs blancs, un couteau dans le cœur. Cinco de la tarde. Endormi toute nue, épuisé par l'orage, quelques accords au loin. Dehors, il se fait tard, c'est un petit gamin qui joue de la guitare. C'était dans une émission, Pascal Sevran. Et Pascal lui dit, dites-moi Francis, est-ce que vous pourriez chanter une chanson qui ne soit pas de vous? Francis écrit et fort bien ses chansons.
Et il réfléchit, on s'est dit, ah, ben peut-être que je pourrais vous chanter une chanson de mon petit copain de Guette. Et ça m'a fait plaisir, ça m'a flatté. Je me suis dit quand même que Francis Lemarque me chante une chanson, ça c'est formidable. Puis je me suis souvenu que j'avais moi-même enregistré une chanson de Francis Lemarque il y a quelques années. C'est l'année où je suis parti faire mon service militaire en 82. Oui. En 1882. Et alors la chanson, vous allez la reconnaître, et je crois même que vous allez un peu la fredonner avec moi, je le crois. Ça fait comme ça. Un inconnu sur sa guitare, dans une rue, chanter cette chanson que répétait le jour du paléo. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps s'enfuit. Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui, je reviens près de toi. J'étais parti pour 10 années, et 10 années, pour tout changer, rien n'est pareil. Marjolaine, le printemps s'enfuit. Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui, je reviens vers toi. Un inconnu et sa guitare ont disparu dans le brouillard, et avec lui, ses compagnons sont repartis en portant la chanson. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps s'enfuit. Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui, je reviens près de toi, toi. Mais aujourd'hui, je reviens près de toi, toi. Mais aujourd'hui, je reviens près de toi. De copains, je voudrais évoquer avec vous un copain de Montmartre. Vous savez, à Montmartre, on se retrouvait toute une bande dans un petit cabaret qui s'appelait le Tire-Bouchon. Et à cette époque-là, tous les jeunes qui démarraient au cabaret, ils avaient besoin de chanter dans 2 ou 3 cabarets, évidemment. Le premier cabaret servait à payer le loyer, le deuxième cabaret payait le déjeuner, et le troisième cabaret payait le dîner. Voilà, c'était comme ça. Et on avait l'habitude comme ça avec René-Louis Laforgue, avec Brel, avec toute une bande d'auteurs, compositeurs, comme ça on avait tous moins de 25 ans. Évidemment, je me souviens que René-Louis Laforgue se prenait pour le vieux. Il avait écrit une chanson qui s'appelait « Quart de siècle ». Il chantait « Quart de siècle, je fais le compte des années, jour après jour additionné, de l'école au premier baiser. » Car il avait 25 ans. Oh, vous parlez de vieille mère de 25 ans. Il y en avait un comme ça parmi nous qui restait toujours un peu discret, comme ça un peu derrière nous, et qui vous disait toujours, vous savez, je fais des textes, vous voulez pas écouter mes textes, on lui dit toujours, Bernard, il est 3h du matin, on verra ça demain. Puis un jour, j'ai entendu une chanson, je me dis, c'est lui ça, c'est lui. Et il a fait un succès très vite, avec une de ses premières chansons. Il a fait un succès, c'est Henri Salvador qui avait fait la musique, et il a été surpris par ce succès. Il avait écrit sur une ville, il avait cité le nom d'une ville qu'il ne connaissait pas. Et alors un jour, quand même, très curieux, oui, il faut que vous fermiez le rideau, là, ça gêne, voilà, très curieux, s'il n'avait pas de voiture, il a pris sa mobilette et il est parti pour Syracuse, qu'il avait trouvé dans sa tête, avant que sa jeunesse sue. Pour le ballet du Grand Lama,
en ratant la correspondance, il s'est perdu à Nouméa dans des histoires d'indépendance. C'est au pays de matin calme qu'il boit ce soir son dernier vin, mais ce n'est pas du vin de palme, c'est du vin rouge, c'est du vin. La rue le pique de bouge en bouge, ne peut servir que d'épimer du gros qui tâche, plus rouge que rouge. Et c'est ce vin-là qui l'a tué. J'aimerais t'en voir Syracuse. Il ne veut pas que Rouen. Et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'air sous le vent. Voir les jardins Babylone et le palais du grand là-bas. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent. Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais t'en voir Syracuse pour m'en souvenir. Don't
et moi je rêve de toi. Oh mon Dieu, quelle chance il y
et nous dormons longtemps à midi sur la plage, les amis de l'orage chantent tous le ciel, le soleil. Nous allons danser, un air qui te ressemble vient toujours te chercher. Il parle de vacances et d'amour, il chante en chantant le ciel, le soleil et la mer en chantant. Hallelujah.
Sometimes I love, sometimes I don't. Oh, yes, Lord. Sometimes I almost to the ground. Oh, yes, Lord. No. The trouble I feel, nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble.